Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission 1, 2, 3 Santé, l'émission qui vous veut du bien. Le cancer de la peau n'est pas souvent abordé, il est pourtant fréquent dans nos régions. Quel est le lien avec l'exposition au soleil? Comment s'en protéger et épargner notre capital soleil? 1, 2, 3 Santé fait le point. Et on commence avec notre question du jour. Avec notre peau noire, prenons-nous le risque de nous exposer au soleil? Et pour développer ce sujet, toujours à mes côtés, le docteur José Perianin. Bonjour docteur. Bonjour Jennifer. Nous sommes accompagnés aujourd'hui du professeur Nadège Cordel. Vous êtes dermatologue, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors la première question, les cancers de la peau, on l'a dit en introduction, on en entend peu parler, c'est pourtant une réalité chez nous aussi. Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner? Oui, c'est vrai que les cancers de la peau, on en entend parler surtout en population à peau claire, et notamment aux États-Unis et en Europe du Nord. Néanmoins, depuis une dizaine d'années, on travaille avec l'équipe de Martinique pour essayer d'avoir des données sur nos régions. Et ainsi, on a mené plusieurs études. Une étude collaborative sur le mélanome, qui est le cancer qu'on abordera en premier, qui est le plus fréquent. Donc, il a une fréquence autour de 2,6 cas pour 100 000 habitants aux Antilles. Il faut savoir que cette fréquence, elle est de 10 dans l'Hexagone. Le cancer spinocellulaire, qui est un autre cancer, qui est un cancer aussi un petit peu agressif. Là aussi, on a mené une étude collaborative et qui a été publiée à un niveau scientifique élevé. Et on sait maintenant qu'on a une fréquence de ce cancer autour, presque proche de celle de la métropole, de 15 cas pour 100 000 habitants, alors qu'en métropole, c'est de 20 cas pour 100 000 habitants. Alors, donc, des manifestations qui existent. Alors, on va commencer par le mélanome. C'est le plus fréquent, c'est celui dont on parle le plus grave aussi. Oui, c'est vrai, c'est le plus grave parce que pour un faible volume tumoral, il a une capacité de métastaser très importante. Quand on voit des petites images comme ça, est-ce que toutes les images hyperpigmentées comme ça doivent faire penser au mélanome? Alors là, c'est très hyperpigmenté, mais vous savez, José, que en population antillaise, on a des lésions pigmentées, un petit peu moins pigmentées que ça, sur la plante des pieds de façon naturelle. Oui. Donc, il ne faut pas s'alarmer parce qu'on a des lésions pigmentées sur la plante des pieds. Maintenant, quand elles sont cette couleur très foncée, il faut consulter. On va voir ici d'autres lésions plus inquiétantes. Mm-hmm. Ce patient avait appliqué de l'ail sur la lésion qu'on voit érosive là, parce qu'il pensait que c'était... Et là, vous voyez, ces taches pigmentées naturelles sur le pied, tout en bas, et puis la lésion tumorale en haut, sous la base du gros orteil. Alors, on a vu des lésions au niveau du pied, surtout de la plante du pied. Est-ce qu'il y a d'autres localisations de ces mélanomes? Eh bien, là encore, grâce aux études que nous avons menées avec nos collègues de Martinique, et c'est documenté aussi en population afro-américaine, chez les sujets afro-caribéens, afro-américains, dans plus de 60% des cas, le mélanome se situe au niveau de la plante des pieds, au niveau de la paume des mains, mais également au niveau des ongles. Des ongles, d'accord. Et pourquoi il y a ces localisations? À cause des changements de tissu? Eh bien, on ne sait pas en fait pourquoi il y a cette localisation. L'hypothèse qui est émise, c'est que comme les sujets afro-caribéens ne développent pas les autres localisations, eh bien, par transformation, en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a que cette localisation-là. Mais en fait, comme ils ne développent pas les autres, ce serait un biais de sélection. Mm-hmm. Alors, en tant que dermatologue, quel conseil vous pourriez donner à nos téléspectateurs s'ils devaient s'inquiéter ou en tout cas surveiller avec attention certaines lésions éventuelles? Alors, c'est vrai que ce mélanome, du coup, il est accessible au dépistage, hein, en particulier pour la plante des pieds, la paume des mains, et surtout chez les vieilles personnes, les personnes âgées, il ne faut pas hésiter à bien regarder leur plante des pieds, puisqu'ils sont seuls, ils ne regardent pas forcément. Vous voyez ce patient qui est là, eh ben, c'est un patient qui était en institution, mais chez qui on ne regardait pas forcément la plante des pieds, et qui a fini par développer une lésion très avancée. Le traitement étant chirurgical, plus la lésion est avancée, plus il est difficile d'opérer. Mmh. D'autant plus que c'est une lésion qui a tendance à métastasier, c'est-à-dire à envahir le reste du corps. Oui, c'est ça, José.
Le dépistage est très facile puisque vous voyez, les localisations sont accessibles. Alors, vous avez dit surveiller son corps. Ça veut dire faire un auto-examen de son corps régulièrement, c'est oui, ça ? Oui, plus que consulter le dermatologue systématiquement, il faut se surveiller soi-même, s'auto-surveiller, et puis ne pas hésiter, bien sûr, à consulter dès qu'on a un petit doute. Alors, il y a pas mal de personnes aussi qui s'inquiètent, par exemple, avec des grains de beauté, des choses comme ça. Là aussi, il faut être attentif. Alors, les grains de beauté, il faut savoir que ça touche essentiellement les personnes d'origine caucasienne, c'est-à-dire à peu près 15% de la population aux Antilles. Les patients qui sont afro-caribéens, même à peau claire, ont moins souvent des grains de beauté. Ces grains de beauté, oui, il faut les surveiller de façon régulière, au moins une fois par an, et avec un examen dermatologique spécifique, notamment une loupe. C'est ce que le docteur Régnier nous expliquera par la suite. Et bien voilà, très belle transition pour ce reportage qui démarre tout de suite en compagnie du docteur Régnier. D'accord. Est-ce que tu as constaté un grain de beauté qui a pris une allure bizarre, qui a changé, qui s'est modifié ? Ok, mais on va voir à l'examen qu'est-ce qu'on trouve. Il faut examiner toute la peau. Donc, il faut même la plante des pieds, même les paumes des mains, il faut les examiner. Il faut examiner aussi les ongles à la recherche, justement, d'un grain de beauté. Et sur les ongles, c'est une bande noire. Et souvent, chez les sujets noirs, les mélanomes malins, l'un des cancers les plus graves, ben on les voit sur les plantes des pieds ou sur les ongles et parfois sur les paumes et les doigts. Le grain de beauté, il faut savoir que quand on examine, il y a la règle ABCDE. A, il faut savoir si le grain de beauté il est asymétrique, c'est-à-dire qu'il n'est pas symétrique, s'il y a un côté qui est plus important que l'autre. Deuxièmement, B, il faut examiner les bords. Est-ce que les bords sont réguliers ou irréguliers ? Ce sont des signes importants pour nous. Ensuite, C, la couleur. Il faut examiner est-ce qu'il y a plusieurs couleurs ? Est-ce que c'est une seule couleur ? À savoir, quand c'est suspect, ça prend plusieurs couleurs. D'accord ? Ensuite, D, il faut mesurer le diamètre du grain de beauté. On sait que plus le diamètre est grand, plus il y a un risque de faire un cancer. Et en particulier, quand on a d'emblée un grand névus, un grand grain de beauté, là aussi, c'est un signe important à prendre. Ensuite, E, toujours comparer par rapport aux examens précédents, est-ce qu'il y a eu une modification, en sachant que toute modification d'un grain de beauté, c'est un signe. Hein, c'est un signe. Et là, en général, il faut soit biopsier, soit enlever le tout, d'emblée, et c'est l'examen histologique, l'examen de la pièce anatomopathologique qui va nous permettre justement de faire un diagnostic précis parce qu'il y a une classification qui va dépendre du traitement. Oui, alors je n'ai pas les chiffres exacts, mais je peux vous dire que sur les peaux claires, sur nos peaux claires, alors ça peut être nos béquets, ça peut être nos seins droits, surtout, c'est peut-être aussi tout le métissage depuis les chabins jusqu'au mulâtre. On voit que ce soit des carcinomes, que ce soit des mélanomes. D'accord ? Je peux vous dire que chez les Saint-Trois, je vois beaucoup de carcinomes. Le carcinome, ce sont des cancers particuliers qui sont le basocellulaire, l'un des carcinomes qu'on appelle basocellulaire, c'est un type qui a une malignité locale, c'est-à-dire que c'est un cancer localisé à la peau. J'en vois beaucoup chez nos seins droits, chez nos béquets, d'accord ? Il faut les enlever, et quand on fait l'exérès total, c'est terminé. Le problème, c'est que c'est dû aux altérations de la peau, dû au coup de soleil qu'on a depuis l'enfance. Donc, quand on les voit à l'âge adulte, le mal est fait. Donc, il peut y avoir d'autres cancers sur d'autres parties du corps. Donc, il faut les surveiller là encore tous les 6 mois ou bien une fois par an pour dépister le début d'un cancer, en sachant que c'est une règle. Quand on découvre un cancer au début, on l'enlève et c'est la guérison. Si c'est un stade tardif, alors là, c'est plus compliqué.
D'accord ? On voit aussi de plus en plus le mélanome malin, c'est un cancer grave, lui, notamment chez nos béquets, j'en vois beaucoup. Chez les noirs, c'est surtout au niveau des plantes des pieds et des orteils que je vois ça, mais j'en vois de plus en plus. Quand je me suis installé, ça fait 30 ans, je ne voyais pas beaucoup de cancer de la peau chez les noirs. Maintenant, j'en vois chaque année. J'en vois plusieurs chaque année. Donc, soit on les dépiste mieux, soit il y en a plus. Mais en tout cas, maintenant, on sait que ça augmente. D'une manière générale, dans le monde, ce sont des cancers qui augmentent. Alors maintenant qu'on a bien compris comment se déroule le diagnostic, qu'en est-il de la création de ces lésions? D'où elles viennent et comment elles sont créées? Et en fait, c'est l'exposition au soleil qui crée ces cancers, puisque les rayons ultraviolets, UVA, UVB, détériorent le génome, l'ADN qu'il y a dans les cellules. Et à force de détérioration, ces lésions ne sont pas réparées. Quand elles ne sont pas réparées, ça finit par déclencher des lésions tumorales. Vous dites rayons du soleil, est-ce les coups de soleil répétés ou est-ce l'exposition prolongée mais chronique? Eh bien, les deux, mon capitaine. En fait, l'exposition chronique est cumulée, les plaisanciers, les agriculteurs, les pêcheurs, tous ceux qui travaillent dehors soleil, en permanence, provoquent les carcinomes. Tandis que l'exposition solaire intense et intermittente, les coups de soleil, sont à l'origine des mélanomes. Bien. Donc ça donne tout de suite des notions de prévention. Tous ceux qui travaillent au soleil en permanence devraient faire des examens pour dépister précocement. Oui, chaque année, d'ailleurs, la Société française de dermatologie organise un dépistage anonyme et gratuit hein, de toutes les régions de France et aux Antilles y compris. Alors, comme vous le savez, José, il n'y a pas que ces facteurs de risque solaires qui déclenchent les cancers. Alors, il y a, par exemple, toutes les jeunes femmes, comme vous, sont très attentives à la composition de leurs produits de beauté, par exemple, parabènes. Qu'en est-il? Il n'y a rien de documenté dans la littérature sur le parabène. En revanche, l'âge, le fait d'avoir une peau claire, plus on a la peau claire, plus on a un risque de faire des cancers de la peau. Et puis aussi, le terrain génétique. Certaines maladies que vous connaissez, le xéroderma pigmentosum, par exemple. Et puis, le fait d'avoir aussi des cancers de la peau dans la famille. Oui, exact. Alors, vous, en tant que pédiatre, docteur, est-ce que vous sensibilisez les parents à cette protection solaire? Et quelle est l'importance de cette protection dès le plus jeune âge? Alors, tout à fait. Chez les enfants, le jeune âge, justement, le matériel génétique est fragile. Et toute petite modification créée au niveau de ce matériel génétique, cet ADN, va mettre beaucoup plus de temps pour évoluer et avoir le temps de se transformer en cancer. C'est ce qu'on appelle un peu le capital solaire. Et donc il faut les protéger et partout, c'est pour ça qu'on protège les enfants le plus possible lors des cours de natation, lors de toutes les expositions au soleil qu'on leur recommande. Alors, on a entendu également parler de certains médicaments qui pouvaient causer des effets secondaires de ce type. Oui, alors un médicament en particulier qui est utilisé dans le traitement de l'hypertension artérielle, les diurétiques thiazidiques s'appelle-t-il. Ce médicament a déclenché sur la toile des polémiques suite à une étude documentée, danoise, très bien documentée, qui montre qu'en effet, quand on a ce traitement, on a un sur-risque de développer un carcinome. Donc chez ces patients, chez un patient qui présente un carcinome et qui a ce médicament dans son traitement habituel, eh bien, il est légitime de modifier la molécule. Modifier le traitement. Et pour ceux qui n'ont pas encore de lésions prédisposantes, quel conseil donner aux milliers de personnes qui sont sous thiazidique actuellement? Simplement surveillance, parce que vous savez, en fait, sur la toile, cette étude a fait du bruit, et puis tout est retombé assez rapidement. Personne n'a enlevé le diurétique thiazidique, qui est un très bon médicament. Absolument. Très ancien et sans très problème, efficace. Et très efficace. Personne n'a supprimé de l'arsenal thérapeutique de l'hypertension artérielle ce médicament. Néanmoins, ça nécessite une surveillance et une consultation en cas de lésion suspecte. Alors, il y a des médicaments qui sont dits photosensibilisants, qui ne donnent pas de cancer. Mais que penser de ces médicaments? Quel rapport?
Eh bien, effectivement, les médicaments photosensibilisants déclenchent des brûlures comme des coups de soleil. Néanmoins, ce ne sont pas des médicaments qui induisent les cancers de la peau. On recommande aux patients qui prennent ces médicaments-là de les prendre le soir au coucher pour que le médicament fasse effet, si je peux m'exprimer ainsi, la nuit, et puis de se protéger du soleil. Alors, les protections solaires, justement, il est un peu difficile pour nous de s'y retrouver, n'est-ce pas, docteur, quand on arrive à la pharmacie et de savoir quoi prendre, comment l'appliquer, à quel moment de la journée, à quelle fréquence. Alors, je vous propose, pour nous éclairer sur tout ça, d'accueillir sur ce plateau Madame Naïdi Norbert-Kouézi, qui est déléguée médicale de laboratoire, et elle va nous faire un petit topo, et je pense qu'on y verra beaucoup plus clair. Alors, bonjour Madame Norbert-Kouézi, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Jennifer, merci de m'avoir invitée. Alors, quand on voit l'étendue de produits que vous avez devant vous, ça justifie votre présence, puisqu'effectivement, quand on est en pharmacie, je le disais tout à l'heure, on a du mal à faire ses choix. Est-ce que vous pourriez nous éclairer ? Avec plaisir. Donc, effectivement, vous voyez qu'il y a plusieurs types de crèmes solaires en pharmacie on va pouvoir adapter en fonction déjà de son type de peau, en fonction également de la tranche d'âge, puisqu'on va également avoir des protections pour les enfants, et en fonction également de l'exposition qu'on va avoir, puisqu'effectivement, on va vraiment pouvoir avoir une exposition quotidienne. On a beaucoup travaillé au niveau des textures, avec des textures très plaisantes, très faciles à appliquer, non collantes, notamment quand on doit aller à la plage, on va éviter que les textures soient trop collantes avec le sable. Si c'est une texture appliquée tous les jours, effectivement, on n'a pas envie de transpirer. En fonction de si on va avoir une crème de jour ou également un maquillage par-dessus. Donc, effectivement, je peux comprendre que quand on est en pharmacie, on peut être un petit peu perdu. Oui. Alors, on voit des indices, ici 50, lequel choisir ? Alors, c'est vrai qu'on a différents types d'indices solaires, en sachant qu'en Guadeloupe, on a du soleil tous les jours, toute l'année. Donc, c'est vrai que principalement, dès 50, on va quand même avoir des protections un petit peu plus basses. Tout va dépendre, effectivement, de l'exposition qu'on va en faire. Alors, tous les jours, moi, par exemple, si je prévois d'être en tournage sous le soleil, je peux, avant de me maquiller, mettre de la crème solaire. Tout à fait. Donc, vous mettez vos crèmes quotidiennes. Donc, si vous avez un sérum, une crème de jour, et votre crème solaire, toujours en dernier, avant votre maquillage. Sans sortir grise, violette. Comme je vous disais, les textures ont vraiment été énormément travaillées. Si vous les testez, on est vraiment sur des textures très plaisantes, totalement invisibles, et surtout non grasses. Donc, on va tester sur la main. Oui. Vous voyez, on n'a plus du tout cette texture blanche, cette texture grisâtre, qui freine énormément les utilisateurs sur l'utilisation quotidienne. D'accord. Et alors, pour les enfants, on voit que vous êtes venu également avec des lunettes. Un lycra. Un lycra. Parce qu'effectivement, pour les enfants, on ne va pas uniquement s'arrêter aux photoprotecteurs, on va également les vêtir de tout ce qui va être lunettes de soleil, vêtements également. Mm-hmm. Et bien entendu, on va aller sur des protections solaires spécifiques aux enfants, avec un minimum de filtres chimiques, et surtout sans parfum. D'accord. Avec tous les autres soleils, avec cette protection, à large spectre UVB et UVA. Et à quelle fréquence ? Alors, une fois qu'on part à la plage le matin, on a compris, on équipe notre enfant d'un lycra, de lunettes de soleil, on met un peu de crème. Et c'est bon pour la journée ? Ah non, malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Donc, idéalement, on va l'appliquer 30 minutes avant l'exposition solaire. Mm-hmm. Et ensuite, on va renouveler l'application régulièrement, toutes les 2 heures. Mais particulièrement après le bain. Ici, on a transpiré, puisque forcément, on aura perdu l'efficacité de notre photoprotecteur. Alors nous, on est familiarisés avec les crèmes pour le bébé, pour la maman. Mais qu'en est-il des hommes ? Puisque, est-ce qu'un chapeau, des lunettes de soleil, ça peut suffire ? Moi, par exemple, je veux aller à la plage. À quel moment ? Je veux aller à la plage. Est-ce que ça me suffit ou je dois mettre des crèmes aussi ? Ah, bien sûr, docteur Périanne. Surtout, le chapeau, les lunettes, ça ne suffit pas. Mais ça lui va bien quand même. Tout à fait, je confirme. Oui, on confirme. Il faut effectivement que vous vous protégiez également avec un photoprotecteur adapté, comme je disais, à votre type de peau. Donc, vous allez aller plus sur le spray, plus sur la crème, en sachant que souvent les hommes n'aiment pas trop avoir les crèmes au niveau des doigts. Donc moi, je recommande également les sticks qui sont très pratiques et qui permettent également de renouveler l'application tout au long de la journée. C'est dommage, alors, vous l'avez enlevé, ça vous allait bien. Mais pour les peaux noires, docteur, est-ce qu'on a tendance à penser, et est-ce que c'est correct, que pour les peaux noires, on n'est pas forcément obligé de se protéger, qu'on est moins fragile, que le soleil nous fait moins mal puisqu'on est né au soleil ? Effectivement, c'est une idée reçue qui traîne beaucoup dans nos régions. Néanmoins, effectivement, on a bien sûr une photoprotection naturelle qui est notre pigmentation, d'autant plus importante que la pigmentation est foncée. Mais cette pigmentation, elle ne protège pas à 100%. La preuve en est que chez les Antillais, il y a bien aussi des carcinomes.
En haut, il y a la protection contre les cancers, mais il y a aussi la protection contre le vieillissement de la peau. Oui, c'est vrai. Alors, ce qu'on peut dire en tous les cas en termes d'indice, c'est que quand on est un sujet antillais et qu'on a fait un cancer de la peau, on est obligatoirement obligé de se protéger avec une crème solaire d'indice 50. Très bien. Alors, vous l'évoquiez à l'instant, les carcinomes. On a ici une photo. Donc, c'est près de l'œil, a priori. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, là, on est sur la photo d'un carcinome basocellulaire. Donc, c'est le carcinome qui est le plus fréquent en France hexagonale, avec une incidence qui est de 150 cas pour 100 000 habitants et par an. Donc, vraiment quelque chose de fréquent. C'est un cancer qui a une malignité locale, c'est-à-dire une fois qu'on l'a enlevé, on est guéri. Néanmoins, on doit se protéger de faire de la prévention pour ne pas en avoir d'autres, puisque vous avez vu que c'est l'exposition répétée, chronique au soleil, qui génère ce type de cancer. Si vous voulez bien, Jennifer, on va montrer les autres photos de ce cancer. Donc ici, cette patiente a consulté pour cette lésion qui, vous voyez, elle est pigmentée. Et néanmoins, c'est un carcinome basocellulaire aussi. En fait, chez les sujets afro-caribéens, ces carcinomes basocellulaires sont souvent ce qu'on appelle tatoués, c'est-à-dire pigmentés. On va voir ça aussi sur la photo suivante, voilà, où c'est un patient qui a consulté parce qu'il pensait avoir une blessure à cause de ses lunettes. Et puis enfin, la dernière photo, voici ici un carcinome basocellulaire de la paupière qui doit être traité chirurgicalement, donc là avec une reconstruction par un chirurgien spécialiste, et après on est guéri. Donc dépister rapidement, traiter rapidement, évolution simple. C'est exact. Alors, il y a d'autres types de cancers, et c'est le dernier, les carcinomes spinocellulaires. C'est un peu barbare, mais... Oui, c'est vrai, c'est un nom un petit peu barbare, et d'ailleurs, on utilise le nom de épidermoïde maintenant, par analogie aux autres carcinomes épidermoïdes qui existent dans d'autres organes, comme le poumon, par exemple. C'est un carcinome qui siège sur la peau, mais dans nos régions, en tous les cas, en population afro-caribéenne et... Les Américains ont confirmé les données de notre étude en Guadeloupe. Ce carcinome siège le plus souvent, là on voit une photo sur un dos d'un patient, mais ce carcinome siège le plus souvent chez les Afro-Caribéens sur les régions génitales. Pardon. Sur les régions génitales, donc il est accessible au dépistage, et ce d'autant plus qu'on est immunodéprimé. D'accord. Donc chez les patients qui sont immunodéprimés et qui consultent, il ne faut surtout pas hésiter à examiner toute la peau, muqueuse inclus. Quand vous dites immunodéprimé, ça veut dire les gens dont les moyens de défense sont basses, comme les gens qui ont le VIH, par exemple. C'est exact. Par exemple. Alors, on l'aura bien compris, hein, il faut dépister tôt, il faut essayer d'avoir un œil aguerri sur son corps et sur les différentes parties de son corps, se protéger, et à la fois, on pourra lutter contre d'éventuels débuts de cancer, ou en tout cas les soigner à temps, et également lutter contre le vieillissement. Contre le vieillissement, le photovieillissement cutané, effectivement, puisqu'on est sur des photoprotecteurs en général avec un antioxydant puissant, qui va justement ralentir le photovieillissement cutané, l'apparition des taches également pigmentaires, des rides et la fermeté de la peau. Vous confirmez, docteur ? Oui, oui. Vous conseillez un examen annuel de la peau, par exemple ? Non, ce que je conseille surtout, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, s'auto-surveiller, regarder ses plantes de pied, ses paumes de main. Les lésions génitales, surtout chez les immunodéprimés, mais pas que. Vous savez que ce cancer, donc carcinome épidermoïde, dont la fréquence est importante chez les Afro-Caribéens, est lié à l'infection chronique à HPV. Et ça, papillomavirus humain, on en a déjà parlé ensemble, vous vous souvenez, José ? Tout à fait. Donc, pour conclure, on dira protéger sa peau, surveiller sa peau, prendre soin de soi. Mm-hmm. Je pense que tu adhères complètement à ça, Jennifer. Complètement. Mais j'adhère surtout à votre chapeau et vos petites lunettes, et je pense que les téléspectateurs aussi. Merci beaucoup, mesdames, pour ces éclairages. Beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs, Merci de nous beaucoup. Avoir suivis. Merci. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. D'ici là, prenez soin de vous.